Yamaseda, que ça soit ta première et ta dernière fois de t'en prendre à un cadre guinéen. Faut plus t'en prendre maintenant à un cadre guinéen. On ne peut pas te tolérer dans un tel acte. On ne te permettra jamais de continuer dans ce tel-là, que ce soit ta première et ta dernière fois. Je vais tout déballer ici, mesdames et messieurs, chers compatriotes, peuple de Guinée. C'est le politologue en décembre 24, l'homme au service de sa nation, l'infatigable communicant de tous les temps. Yamaseka se prend pour qui? Elle est qui d'abord? Je vais relater son histoire devant le peuple de Guinée. Le people va se rendre compte qui est Yamaseka. Quelle est sa vie? Comment elle évolue? Yamaseka n'est pas une artiste proprement dit. Elle n'est pas une artiste proprement dit. Maintenant, vous allez tout savoir ici, dans ce direct-là, que ce soit sa première et sa dernière fois de faire une sortie insolente, incontrôlée à l'égard d'un cadre guinéen. D'un cadre guinéen, si tu ne connais pas ton droit, si tu ne connais pas ton devoir, moi, je vais les montrer. Moi, je vais t'enseigner, je vais t'éduquer. Pourquoi tu n'as pas contrôlé ton langage jusqu'à ce que tu dis à un cadre guinéen que l'intéressé est impoli, est mal éduqué, mal élevé? Yamaseka, ça c'est trop dit ça. Est-ce que toi tu es bien élevé? Est-ce que toi tu es poli? Est-ce que toi tu es bien éduqué? Est-ce que toi tu es bien éduqué? Yamaseka, tu n'as pas l'image d'un artiste. Tu n'as pas l'image. Tout sauf ça, je te dis, je te connais très bien, Yamaseka. Je te connais très bien. Mais je vais expliquer au peuple de Guinée pour se rendre compte qui est Yamaseka. Mesdames et messieurs, chers compagnons, peuple de Guinée, wa partage, wa taoum, la Guinée Kabingato, Akuna Matata, Aladji, Majid Kams, wa partage. Trop c'est trop. Il est libéré, la mère du Guru. Yamaseka no ma donné Moussemaïki. Aou Makad Rasoto. Aou Makad Rasoto. Asiga ça l'a provoqué parce qu'elle a la haine. Elle se prend pour qui? Et ma maman m'a dit Doumbouya, et ma sama qui en a rien. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de hôtel et puis la Guinée. Ina bandiki ne ya na uma emuna hotel nun ina Sheraton emuna Sheraton ina hotel Kalum emuna hotel Kalum ina Maria d'Or emuna Maria d'Or ina Riviera emuna Riviera isana hotel Kamayeni ye asiyama hotel kuina kine insa masara c'est une prostituée celle-là. Pourquoi? Elle vient s'en prendre à une dame qui est en train de faire son service, qui est en train de servir sa nation. Yamaseka, mais tu es culotté. Tu es culotté, Yamaseka. Que ce soit ta première et ta dernière fois de faire un tel acte. C'est moi qui ai dit le politologue de 124. On ne te permettra jamais de répéter une telle erreur. On ne te permettra jamais, on ne peut jamais te tolérer. Oui. Oui. Moumouna ma yina nyo oudera. Idera na baria na ganna. Idera na koutaria na ganna. Ere lambirina. Amba se souri ikinye. Se marire ikinye. Ibanyi soke.
Yamasega. Madame Traoré a plein droit de te chercher, de te vider dans la salle de VIP. Tu entends même le nom de la salle VIP. C'est une salle qui est réservée pour les personnes importantes. Very important person. C'est ça qui est dit en anglais comme ça. C'est une salle qui est réservée pour les personnes importantes. Oui, mais Yamasega n'est pas une personne importante. Elle est limitée dans ses sensons. Ce qui est répété, c'est que Quel fait premier album, un dernier album. A Sigio Sama Mukolo. Fanou Meri Rav, Soga Mamouye, à l'offre de VK, même Kere. Yamasega, on ne peut pas te tolérer. Il n'a pas barré, il bagne, il soque. Il m'a dit quand fini son wasira. Un tomane. Ha, sexe artificiel moussoura dera. Asa sar khamen de bou manara bama wa waira a video to gatara a pasara la gine fini yena tara giwa ma la gine fini fe yena tana na elle pense la manière dont elle est éduquée là c'est la même manière que tous les guinéens tout le peuple de guinée est éduqué l'éducation de la guinée est différente de ton éducation il faut qu'on se dise la vérité Yamasega je te connais. Je te connais très bien. Tu étais à l'université générale à Sanakonté de Sofonia, 7e promotion, n'est-ce pas? La promotion de Mohamed Camara, le juriste, il est fonctionnaire d'État actuellement. Maintenant, Yamasega, tu n'as jamais fréquenté l'université. Je te dis la franche vérité. Tu chômais. Tu es chômeur. Et puis encore, tu n'as jamais eu le bac pour être à l'université. On sait comment vous vous êtes débrouillé avec les cadres qui sont un peu partout à la scolarité. Yamasega, demandez très bien tes camarades de l'université. Les autres faisaient l'université. Toi, tu faisais l'université avec la formation payante. Tu payes la formation. À l'université, je te dis comme ça la franche vérité. Yamasega ne partait pas à l'école. Elle partait sauf si il y a l'évaluation finale. Pour la simple présence, le reste, elle part à la direction. On fait sa cuit, ma cuit. Non, c'est le monsieur professeur de rien qui n'est pas ça, ma menine, pour avoir les notes. Yamasega. Nous, on connaît ta vie. On connaît ta vie. Tu veux que je parle maintenant? Je vais commencer de parler. Iwa manenga we. Imu dangi la gine kayura. Imu se se vang la gine kama. I sigi na ansama. Deka inera sigi ma. Eme, jaguar de la musique guinéenne. Jaguar de la musique guinéenne. Est-ce que ici, ensemble, tes sensons dépassent les frontières de la Guinée. Il y a ce qui nous a donné la Guinée frontière. Il y a un grand Bamako. Il fait quoi Côte d'Ivoire, à Sierra Leone. Artiste Maraboulé. Dit en 21e siècle, Fagonera. Est-ce que il y a un grand Bamako? Quand elle chante, tu ne peux pas l'adorer à travers sa voix. Elle n'a pas une belle voix. Yamasega, je te dis. Et tu n'es pas inspiré. Ton inspiration est limitée. Moi, j'ai été meilleur artiste deux fois en République de Guinée. Tu ne peux pas être meilleur artiste en République de Guinée. Tu ne peux pas être. C'est très simple d'être un meilleur artiste en République de Guinée. Une voix finifiée, meilleur artiste en République de Guinée. Là. C'est très simple. Ça, c'est ça qui va. Il y a des cancers au Mérigira. Il y a des cancers.
Ima sai wa ondari. I wone sebo. Il gay bode fefefe. Lors de la remise, on dit, Yamasega est déclaré meilleur artiste de la République de Guinée. Ada Lavalet, Yans, merci. Touré Ebou, Ibrahim Fofana, maximum de partage. S'il vous plaît, maximum de partage. Il y a Yamasade. Allo, Mamadi, du coup, Yamasama, Kianare. Mais Yamasega est kiloté. La première fois que Mamadi Doumbouya passe la nuit prostitueuse avec une artiste guinéenne, ça a commencé par Yamasega. Ça a commencé par Yamasega. Et puis encore, Mamadi Doumbouya l'avait donné combien comme récompense? Il l'avait donné 10 millions de francs guinéens pour une nuit. C'est ça qui prouve à suffisance que Yamasega est une prostitueuse. Oui, faut maintenant de faire le bandi qui n'est pas qui. Bandi qui n'est pas qui. Oui, qu'elle va faire en sorte que cette dame soit limosée. Elle n'a même pas dit qu'elle va faire en sorte. Elle a dit qu'elle va limoser cette dame. Toi, tu as le kilo de limoser Mamadi Doumbouya. Si on voit cette dame Traoré là, limogée de son poste là, la Guinée ne va jamais respirer. La Guinée ne va jamais respirer. Et tout le monde enchantera cette histoire. La Guinée Kabir n'a pas taré sebema. La Guinée Kabir n'a falama. N'a d'angoma benanga n'a soufira. Mamadi Doumbouya. Dieu me laisse la bolori. Je ne sais pas si je suis en oui. Est-ce que je suis en train de premier, ou du premier est qui? Il est qui ou du premier? Un simple soulard comme ça, ou du premier, on dit ah, oh, comme ça, comme ça. Un simple Yarimara, Koko, Kulamati. Hein? Ah, ou du premier? C'est les intimés qui sont en dehors des normes. C'est des personnes hors normes. Et vous, tu m'as servi là. J'étais bonheur. C'est moi qui ai mis ferry. So, voici là. Ou c'est en Guinée seulement qu'on vous dise artiste. Est-ce que Yamasega est culotté de se présenter à l'étranger, soit disant qu'elle est artiste? Quand elle sort de la Guinée là, elle reste bouche bée. Elle reste bouche bée, elle ne peut pas se déclarer devant les autres artistes. Parce que ce qu'elle chante là, c'est la basse Guinée et la haute Guinée seulement qui écoutent. Ce n'est pas toute la Guinée entière qui écoute. C'est la basse Guinée et la haute Guinée et certainement la moindre Guinée aussi, si elle chante en malinké, parce qu'elle fait des voix mélange. Quand c'est qu'elle chante en soussou, elle répète ça en malinké, elle répète ça en poula. Elle n'a pas d'inspiration. Il me dit la bolori, marabolé. Il n'a pas fou, mon ami fou, Madame Traoré, bravo, félicitations. Tu as joué ton rôle. C'est ça, un agent de l'État. Un agent doit protéger les biens de l'État. Tu as joué ton rôle. Tu as bien servi les gens à l'aéroport. Et tu dis simplement à Boulay. Passeport arbitraire sous Wanyira. Fais dans le scanner, ma faire reconnaître passeport Nara. Non, c'est que son agent sont sales VIP pour mélanger les choses là-bas. Pour provoquer les gens. Amanga Dorosona avec son impolitesse là, à la face du monde, pour insulter cette dame, on ne te permettra jamais. Merci Nabi Boya. Maximum de patates, s'il vous plaît. On ne peut pas le permettre. Malgré qu'on est contre Mamadi Doumbouya. Oui. Mais d'une part, on n'est pas contre Mamadi Doumbouya, on est contre son système de gouvernance.
S'il y a quelqu'un à insulter en Guinée, Yamasega, il faut insulter Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas toucher à nos cadres. Il ne faut pas toucher à nos cadres. Et t'as un marabouné. Merci Fatmata Bilisano. Djiba Souma. Il m'a abonné à sa femme. Même si tu es aveugle à l'aéroport, tu connais là où tu dois passer. Hal Dongrina Mirira, Miribiri a dans les couloirs à l'aéroport. Vieille puis Miri dans les nana. Diplôme comme un passeport ordinaire Miri, né dans les nana. Yamasega, c'est une simple bordel qui se disent. Qu'elle est artiste en République de Guinée. C'est en Guinée consommant qu'elle se déclare artiste. Lorsqu'elle a été à Paris, elle a presté où? Dans quelle salle? Dans quel stade? Si tu me parlais de Burna Boy, Rémi, oui, les Pissoirs, les Starboy. C'est des artistes. Même Soul Bams, c'est un artiste. Mais en dehors de ça, j'ai dit très bien, moi je connais Yamasega depuis à l'université. Avant de ma école, Yamasega mon ma école, fait une évaluation nana, et Siga pour se présenter seulement parce qu'il y a une liste qui circulait. Je suis de la même promotion que Yamasega. Septième promotion, LMD. Université générale, ça n'a compté de son fournir. Si elle est culottée, elle n'a qu'à venir me démentir. Elle n'a qu'à venir démentir cela. Elle ne faisait rien là-bas. Elle ne fréquentait pas. Elle peut rester durant toute une année. Jusqu'à l'évaluation finale, elle se présente. Par après, elle arrange les autres au bureau là-bas. Elle part au bureau pour elle, pour arranger avec les professeurs. Oui. Anisia Manemeni. Nous t'aimons de par moment. Évaluation orale le bas moment. Toute la promotion en est témoin. Par simple ethnocentrisme, par simple communautarisme, on avait volé ma note. La Guinée, il y a ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Yamasega même est témoin de ça. Elle est témoin de ça. En évaluation orale, si c'était dans quelle matière, j'ai raflé si c'était 8 ou 9 de moins en évaluation orale. Il y avait un autre chef là-bas. Il y avait un gars qu'on l'avait nommé comme chef de la promotion, Alpha Oumar Diallo. Il n'a pas rapporté ma note. Il a bafoué ma note devant la présence de tout le monde. À ma note d'Elfou. Parce que tout simplement, à cause de mon ethnie. Parce que tout simplement, à cause de mon ethnie. Parce que dans son édouard, il y a eu un note là, surtout 8 de moins, en évaluation orale. Oui. 8 de moins, en évaluation orale. Didi Moutin, si on a fait, ma mousse, c'est Niagara. Ma kombiri, ma bombori. Amma note ton gato ni ma note sade. Par après, il va faire pour l'affichage des notes. Moi, je vois que je ne suis pas évalué. J'ai fait recours au professeur. J'ai dit, monsieur, j'ai été évalué bel et bien. Le chef de notre promotion en est témoin et tous les autres sont témoins. Monsieur m'a dit, est-ce que tu peux emmener 5 témoins? Monsieur Christophe, c'était l'assistant de monsieur, il était l'assistant d'un forestier là.
J'ai présenté 5 témoins, le chef de promotion et les camarades de classe. Tout le monde a témoigné que j'avais eu la plus haute note. Par simple ethnocentrisme, M. Christian qui animait sur Yoma Media, il a réduit ma note en 5. J'ai insisté, il m'a dit, si tu insistes, je t'envoie en session. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas une force, je n'ai pas une puissance. J'ai dit, ok, Dieu est grand. Dieu est grand. Pour ne pas perdre les 5 aussi, j'ai dit, Dieu est grand. Peut-être Diama Sega est témoin de ça, parce que le jour-là, l'amphi Yolanda, à l'université générale, à son côté, était bourré par mon camarade. Tout le monde était, parce qu'il y avait deux groupes, groupe A et groupe B. On a fait la fusion pour évaluer les gens. Je suis sorti, donc tout le monde était fier de moi. Moi, à l'université, elle sait très bien. On s'est rencontrés au campus pour prendre le petit déjeuner. Elle marchait avec ses amis. Oui, on se connaît très bien. Mais il m'a volé. Fils de Wali Sankuibo Rinaïti. A toi, si tu es un mamadi, tu es avec toi. Tu n'as pas de bête, tu es un mamadi, tu es un collègue, tu es un attendu. C'est ce que nous avons fait. Il a tout le monde qui a fait. C'est grâce à Kassori Fofana. Il n'y a pas ce que Kassori n'a pas fait pour elle. Mais aujourd'hui, elle n'a rien reconnu pour Kassori Fofana. Elle n'a jamais pensé si quelqu'un a existé qu'on appelle Kassori Fofana. Elle a oublié automatiquement. Malgré tout ce que Kassori a fait pour elle, aujourd'hui, elle est fière du sort de Kassori Fofana. Elle est fière de l'état de Kassori Fofana. Même un simple appel, elle ne fait pas pour Kassori. Même une simple salutation, elle ne fait pas pour Kassori. Oui, Kadefria, merci, Monsieur Mouda. Merci, maximum de partage. Elle ne fait rien. Elle n'est pas reconnaissante envers Kassori Fofana. Abou Lef Ya Kamara, merci beaucoup. Elle est insolente. Yamasega, elle est insolente. Elle a une connaissance limitée. C'est pourquoi lors de l'interview entre elle et comment on appelle le gars, William Campbell. William Campbell avait raison. Une star, une personne qui se dit star n'a pas de vie privée. N'a pas de vie privée. La Starmania là, il n'y a pas de vie privée dedans. Oui. Mais, toi tu dis à tout le monde, ah, on va me foutre finalement, merci Souma Kassori. La vérité est bonne à dire. Quand tu dis seulement la vérité, tu auras des témoins. Tu auras des témoins. J'ai avancé la vérité, il y a eu des témoins. Souma Kassori en est témoin. Et les autres aussi, Kadefria est témoin. Siomoda est témoin. Tous mes fans sont témoins de ce que Yama Sega a fait à Kassori. Oui. Mais aujourd'hui, qui pense à Kassori? C'est la première personne à détruire l'image de Kassori, à ternir l'image de Kassori. Mais le bienfait n'est jamais perdu. Et le bienfaiteur ne sera jamais humilié. Mamadi Doumbouya ne peut pas humilier Kassori Fofana. Parce que c'est un digne fils. Il a servi sa nation avec loyauté. Oui. Avec loyauté. On a tout raconté sur lui. Mais il est serein dans sa tête. Et il n'y a pas un cas dans Guinée qui est plus que Kassori. Il faut qu'on croie à cela.
Auparavant, il y a des autres, des économistes en carton, comme Dr. Ousmane Kaba, qui se disaient qu'ils sont diplômés à la Sorbonne ou bien au Harvard. Après le retour de Kassori dans son pays natal, personne ne pouvait intervenir devant lui. C'est fini. Parce qu'il a des expériences économiques, techniquement et théoriquement. En un clin d'œil, il peut développer la Guinée. Mesurer l'ampleur. Le moment où Kassori a pris la Guinée, il a commencé à exercer ses fonctions à la primature. Lorsque la Guinée a été redressée à un moment donné, et peser le taux de pauvreté en 2024, comparez-les. Tu vas voir que Kassori est un père éducateur. Un père éducateur, c'est celui qui encadre économiquement, politiquement, techniquement, socialement. Tu ne peux jamais dire à la République de Guinée qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut dire que Kassori lui a fait du mal. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Mais toute personne qui s'acharne contre lui, c'est que c'est par ignorance. Je vous dis la franche vérité. Yamasega, c'est la fin de ton mauvais comportement. Il n'en a pas, pourquoi tu n'as pas fait un tel comportement à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris? Pourquoi tu ne t'es pas comporté comme ça? Tu sais, quand tu te comportes seulement comme ça là, on va te casser la gueule. On te casse la gueule. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Pourquoi tu n'as pas fait ça à Bamako, au Sénégal? Parce que seulement, la Guinée est un pays de bêtises. Et par fini, tu dis, ah, moi je suis métisse. Toi, tu es métisse. Métisse, la boule, bordel, y'a. Bordel, y'a, métisse, y'a, nanaki. Il rit au tel nom, tu es à Riviera. Il s'en est Riviera, est-ce qu'il y a Sheraton? Il y a Sheraton. Il Libanais, serviment. Il est Guinéen, serviment. Et sur le serviment, marabolé, c'est que Mamadi Doumbouya n'est pas civilisé dans sa tête. Sinon, Mamadi Doumbouya ne peut pas grimper sur toi pour faire le rapport sexuel. Il ne peut pas grimper sur toi pour faire le rapport sexuel. Et pour te récompenser, il t'a donné 10 millions de francs guinéens. Ouais? Et tu pars à la télévision là-bas, sur West Africa TV, tu déclares à tes celles-là qui sont mal formées là, soi-disant que tu as fait l'opération à 10 000 dollars. C'est faux, c'est aussi faux. L'opération n'a pas été un succès. Oui, je me suis conforme à dit. Alla tim riye gina wala mbamera sembul mara bole atanga ba mameni awella mamadi dumbu yana na mamadi dumbu yana na bameni ha gina na nera mamadi dumbu yana na bameni ila mara tomu khabi fini don sira ila na sira ila sesra mutegeme. Marapole, Ngarabole, Babarabole. So voici. Oui. Moutama Semanebe, qui nous sommes. Oui. La Guinée est un peuple uni. Tu ne pourras jamais nous manipuler. Tu ne pourras jamais nous insulter. Ça nous égale. Ton comportement là. Ça nous égale. On en a marre. Oui, on en a marre. Yamasega, toi, t'es qui? Langue Guinée. Langue Guinée, langue capitaine. Il en a sera.
Il a cessé la route de guerre. C'est un boule d'araka quoi. Kare qu'il est dit, mais il va se faire. Tu es fier de notre village, pourquoi? Marabolé ga goro quoi, ga fago, muta ngoy finda ngoy la. Na ngi kel tan de mara habi magande kan kan meni. Ama rasa kel habi magande ding dingray meni. An so kona kel tan de mara parce que Conakry est leur Paris. Basse Guinée est leur Paris. Nana reto me na ga bonisa la fiaso ki sosé rabo sosé mi rabo ki matifi. Balasa mura ba musa singe bore manaki anera nera mi fe ba ngi kene kenera iko i matir sese ya onkeke ya ranke sila mafu ali asila. Merci beaucoup grand frère, que Dieu te bénisse. Hein, muta bemba ke mu bembe de rende ma sege he berfe capital donara muta bana uline. Ça se trouve dans le sang. Basse-Guinée, c'est la capitale du monde. C'est la vraie capitale du monde. Et puis en Kanga Falobé, lorsque les Blancs sont venus, la Basse-Guinée n'a pas été colonisée. Parce que vouloir coloniser quelqu'un, il faut trouver la personne avec les mauvaises pratiques, les mauvaises coutumes, les mauvaises cultures. Mais Basse-Guinée avait sa démocratie. Cette démocratie qu'on appelait Kemekria, c'est cette loi qu'on appelle Serie Kemé. Ima me sosera, wonu sofe tane mara sende karimani sa, yamasega bara yedekan sa nye kemegeli. Nye kemegeli, la constitution Soso comportait 100 articles. Quand il parvient à violer un article parmi ces 100 articles-là, les Soso te diront Abara yedekan sa nye kemegeli. Et non, vous voulez vous faire ma société. Et nous voulons faire les barrières de cancer, n'y a qu'à Megeli. Il faut que les cannabis n'y a qu'à Megeli, société Rawainara. Donc, les Blancs nous ont trouvés avec notre civilisation au presqu'île. Au presqu'île. Oui. Donc, nous, on n'a pas été colonisés. Il faut retenir ça. David Tondon, de Bani Tondon, est témoin de ça. Est témoin de ça. Il n'a jamais accepté de chercher les Blancs. Parce que lui, il a accepté de coopérer les Blancs, avec les Blancs. Il sait que le pouvoir africain n'était pas bon. C'était de la traîtrise, de la trahison. C'est ce que Sékou Touré nous a fait. Il a éliminé tous nos intellectuels. Comme ce que Mamadi Doumbouya est en train de pratiquer contre nous aujourd'hui. C'est le même système que Sékou Touré faisait. Aujourd'hui, on déplore la mort de Diallo Télé, Diallo Télé. Mais qui était le ministre de la justice de Sékou Touré? Qui était? Dites-moi le ministre, le nom du ministre de la justice de Sékou Touré, si ce n'était pas Diallo Télé. La plupart des intellectuels guinéens, c'est Diallo Télé qui les a assassinés. Après avoir assassiné ces intellectuels-là, il a fini par être assassiné par le même système. Oui, le Goethe a été guillotiné. Donc, on aime dire l'histoire, mais on n'aime pas approfondir l'histoire, la vraie réalité de l'histoire, le contenu de l'histoire politique de la Guinée. Il faut qu'on s'efforce à dire. Diallo Télé n'a jamais été victime. Il n'a jamais été victime. C'est un coupable. Un ministre de la justice qui tombe sous le régime, sous le même régime, et qui est un coupable. Il n'est pas victime. Donc c'est pour vous dire un peu plus. Si vous ne connaissez pas, connectez-vous sur Google et tapez le ministre de la justice de la Guinée depuis le temps de l'indépendance jusqu'à nos jours. Le nom de Diallo Télé va figurer. Ça va figurer. C'est de là que vous allez vous rendre compte que Diallo Télé est coupable.
de toutes les exactions de Kambwaru, de Kassa, de Kindia, de Bofa, un peu partout en République de Guinée, il fait partir. Il faut qu'on se dise la vérité. Yamasega, tu as abusé. Tu as abusé. Comme on te dit que tu n'as pas de limites, tout ce que tu fais là, on rit avec toi. Et qu'on n'a pas adoré Daoui, leur Imoura Khamra. Daoui, il est ses soumara. On a pas dit qu'on y se voit si bédé. Nous préparons effectivement, réellement, conséquemment. Je me prépare contre toi, conséquemment, Yamasega. Je te connais très bien, Yamasega. Ne fais pas semblant. Tu n'es pas une star. Tu n'es pas une icône. Il faut oublier ça. Oublie ces mots-là dans ton galaxie. Hein. Oublie ça. Tu n'es pas une star. Hein, il faut dire que tu te débrouilles dans la musique guinéenne. Mais tu n'as jamais chanté une chanson qui peut te faire star. C'est-à-dire une chanson qui ne peut jamais mourir. Comme le cas de Sori Kandia, de Ibro Diabaté, de Mamadi Doudou Dada, de Momo Wandel, de Fode Conté, pour ne citer que cela. Est-ce que tu as fait une telle chanson? Tu n'es pas une star. J'ai oublié même Mori Kanté, même s'il n'a pas été remercié, honoré par son propre pays, la Guinée. Mais il a été honoré à l'international. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour ne pas abuser de votre temps, je me limite là. Yamasega, que ce soit ta première et ta dernière fois, ou bien je te rends comme un vecteur de 90 degrés. Demandez très bien les mathématiciens. Qu'est-ce qu'on appelle un vecteur de 90 degrés? En bon entendeur, salut. Thank you.